Et bonjour tout le monde, c'est les Chitamen. Salut à tous. On se retrouve, le mec qui s'est plus parlé. Mais dès qu'il faut pas dire j'ai envie de dire, c'est pas dire quoi dire. Donc j'ai envie de dire on se retrouve pour la partie 7, stage 7 de l'intégrale sur Streets of Rage. Non mais c'est vraiment plus Fighter. J'étais en train de réfléchir, mais peut-être faut plus le dire le mot. Ouais. Faut pas le dire les gars, ça devient tabou, ça devient gênant. Encore c'est pas comme si on dit d'autres mots d'insultes hein. Non, genre, on se retrouve connard, j'ai envie de dire connard. Non, dans le... Arrêtons de faire de la sexualité. Mais le gros il en veut aussi hein. Ah il est gourmand hein. C'est le grand. C'est buffet. C'est buffet. Et là faut pas les merde. Donc on se trouve dans une usine de robots. Et oui. Parce que ils font des corps, des pièces. Comme on voit, Portal en fait hein. Voilà, ils font des robots. Tiens là. Et on voit qu'il y a toujours les mêmes brawlers, tu sais, les mêmes connards qui squattent hein. J'ai envie de dire c'est les mêmes connards tout au long du jeu, tout au long de la trilogie. Ouais c'est vrai. Les mecs qu'est-ce qu'ils foutent dans, tu sais, ils auraient pu la changer un peu les skins. C'est des badass qu'ils emploient tout le temps en fait. Les mecs c'est des chômeurs, ils restent bosser ici. On peut dire qu'il y a une belle animation, on peut dire c'est pareil que j'ai envie de dire hein. Ouais, donc, on peut noter, il est à souligner, il est important de noter et de ne pas laisser passer face aux observations qu'il y a de l'animation derrière. Pourquoi il nous spam de grenades lui. Mais c'est pas mal quand même que ça défile les tapis derrière. Bon, là on voit qu'il y a des tapis. Des tapis. Comment ça s'appelle ça des. Comment ça s'appelle ça je sais plus moi. Oh, la tapis, chaîne. Tapis roulant. Ouais, un tapis roulant, c'est ouais, ça. Tu prends pas la tête du tapis roulant. C'est un tapis, ça roule, c'est un tapis roulant, tu vois. Non, mais c'est un autre nom, mais bon, on rappelle plus quoi. Hop là. Ça, attends, il est tard là, je suis fatigué. Ouais, il est tard, hein, il commence à être 4h du matin, on s'est mis à 20h. Hein. Allez, prends la pomme d'api là. Allez, et la pomme d'Adopi. Ah, l'humour, allez, mais attends, je fais ma coupe de bâton. Voilà. Il a pris des coups. Il y a la coupe. Oh là là, là tu refais le crâne. Donc, le pas de sang dans ce jeu, malheureusement. Le pomme morsaille. Alors, donc, vous voyez, il fait de la. Waouh. Donc, dessus, dans la. Come on, bitch. Bien, salope. Alors, clac. Mais non. One up. Pour toi, prends-la. Je prends. Ouais, prends-le. Viens là, je vais me fouetter. Elle s'appelle Enola. C'est vrai? Ouais, donc j'ai envie de dire. Aucun commentaire là-dessus. Vas-y. Enola gay. Enola gay. Comme quoi. Le mot, on nous avait des caisses. Le mot gay fait partie intégrante du jeu. Bah, c'est encore plus gay qu'Altered Beast ce jeu. C'est clair, c'est chaud. Et en fait, Altered Beast, on l'a présenté en Retrosaurus, mais on a fait l'intégrale. Ouais, c'est vrai. Le test. Bah, il dure une demi-heure. Hein. Le test, on avait fait quoi, une vidéo, genre deux vidéos. Allez, à voir cette vidéo, elle est juste pour genre. Le jeu, il est bien. Hein. Ah non, mais il est génial ce jeu. Mais il est trop court. Il est trop court. Comme ce jeu. Malheureusement. Bah, c'est vrai qu'Altered Beast a. Bah, on voulait pas faire. On voulait pas faire. Ouais. Best, non, Beast. Non, faut dire Beast, c'est Hooper qui dit Beast. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est BEA, donc c'est Beast. Best, arrêtez, elle est meilleure, altérée. C'est pas mais arrêtez de me spammer. De... Ils veulent t'enlever ton pantalon là, vu qu'ils font des cours de gym avec eux. Allez, viens là. Donc, bien sûr, hein, tous les propos homophobes. Il y a aucun propos homophobe. On est fort, on a réussi à faire une vidéo sur un jeu complètement gay, sans dire le mot tafiole une fois dans la vidéo. T'as vu, il est méga gay quand même. Ah, si on l'a dit que c'était gay un peu. Mais c'est pas homophobe de dire que c'est gay. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, je suis désolé, c'est. Prends ton poulet, tu vas mourir. Non. Touchez pas à mon poulet, KFC. Oh putain, c'est. Yes, quel magnifique sauvetage. Mais la morsaille. Non. Oh l'enculé. Les. Attention. La musique s'accélère, la musique devient terrible. Donc une fois de plus, on retrouve le même mec, il a juste changé de blouson. T'as 5 guillemets, j'ai 3. Je me cache, tu le tues. Le small, le fer, Griffiths. Je vais faire écouter ma musique dans mon iPod. Oh là là, chaud, la mandale. Petite morlaie. Reste à droite, je reste à gauche. Bien sûr, évidemment. Des chinois qui tombent du ciel. Ils tombent tout ça. Et des chevaux. Et des tacklimber, ça. Ah, foiré. Oh putain. Oh non. C'est vous. Des musiques très entraînantes. Hein. Ah ouais, très très violentes. Là, on a mis un petit peu et de voilà, son. Et voilà, le mec, il m'a mis un coup de katana. Je suis crevé direct. Magnifique. Franchement, ce jeu est un excellent défouloir. Là, on joue en easy, mais on s'amuse vraiment beaucoup. Hein. C'est qu'on fera une session prise de tête. Hein. On prendra pas ces mecs. Non, ils sont nombreux. Non, mais là, ils sont nombreux. Tu rigoles ou quoi? Quand on avait fait le jeu en normal, ils étaient deux fois plus. Ouais, mais c'est déjà beaucoup. Ah, ça qui change en fait, c'est par le nombre. Donc, du coup, en normal, ils sont deux fois plus nombreux. En hard, ils sont encore deux fois. Ouais, et en hard, tu vois même pas tes mecs.
Il y en a partout, quand ils tombent du ciel, ça fait retomber le truc. C'est-à-dire que le sol est noir, il tombe, mec, c'est 300 le jeu. Tu veux te faire triangle. Le jeu, c'est 1 quoi, c'est chaud quoi. Comme Chuck Norris. C'est bloqué le personnage Chuck Norris quoi. Allez. Putain, mais qu'est-ce que ça. Ah, mais je vais enlever le pantalon, hein. J'en ai marre là, ça commence à. Il commence à avoir chaud le mec, de toute façon. Allez. Ibis. Oh putain. Non, faut le laisser venir. Lui est très moche, hein, ce coloris est très moche. Mec, ils font des couleurs aléatoires, c'est pas possible, ils vérifient pas quoi. Non, ce que j'aime beaucoup, c'est leur petit avatar en fait. Il veut nous cuter, lui. Il veut nous cuter. Oh putain, Soya, il va défoncer. Donc il a le couteau, ça en main, qu'il a une animation sympa. Non. Lui il crache du feu, il est trop dark, il rigole et tout, je lui passe sa graisse, tu vois, il a tout dégonflé. Non. Soya là. Ici. Ah, je vais le cuter. Soya, je vais le cuter. Bah lui, je le glitch. J'ai un tout commando. Le gros, je le glitch. J'ai un tout commando. Allez, je vais le glitcher. Soya, viens là. Ouh, j'ai un suplex sur Soya, donc il chope par derrière. Hein. Donc là, vous voyez pas, mais je suis en train de le piétiner. Je mets mes pieds dans la gueule à Soya. Allez, voilà la beauté du jeu. Je casse les briques. Hein. Le background est juste ignoble. Ignoble. Et regardez le dégradé de bleu-orange. Je voulais pas en parler, c'était ignoble. J'ai envie de vomir. Donc ce coloris là, cet ascenseur, c'est pas mal, mais une fois de plus, il n'y a pas de dehors. Pour les foutre dehors, malheureusement. Ouais. Donc là, je sais ce qu'on pourra faire dans le 3, vous rappelez, le glitch, ouais. C'est et là, on se retrouve sur le toit où c'est qu'on avait cassé le faux Axel, t'es. Ça oh, oui. Ressemble à ce. Oh putain! Et là, fuck, voilà, what the. Oh, je suis là! Viens ici, toi! Donc, deux robots, la réanimation, elle est juste ignoble! Ils sautent, c'est des robots pédés. C'est des gay robots! Non, c'est génial, en fait, on dirait des mecs qui sautent partout, t'sais. Ouais! Et ils sont trop contents, t'sais. Ça, on dirait des robots à piste! Ah, je le glitch. Oh, mais non, mec, le glitch. Ce corps. Donc ils ont des super noms un peu à la Portal, hein. Là, c'est non ça. Bah tu es molécules et particules, hein. J'ai plus qu'une vie. Après j'utiliserai mon continue. Ton premier continue, tu sais, voilà. Allez, viens là toi. C'est la fin après. Aïe 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 aïe. Et voilà. Prends ça dans la gueule. Oh change. C'est là. Oh là là. Vas-y on. Oh non. T'es crevé. Et comme une merde tu par terre et je suis mort. Stage 7 clear, j'ai envie de dire. Là, j'ai envie de dire, là ça commence à être bien clear. Il restera une dernière partie, un dernier stage. Et oui, j'ai gagné une vie, ça passe vite, mais ça fait une petite vidéo par oui, jour. Oui, c'est bien la petite vidéo comme ça. Là en début de. Et honnêtement, avez-vous vraiment le choix? Et pour commencer l'année 2012, une petite intégrale comme ça, très courte, où c'est tous clair. Les jours tu prends ta dose de Street of Rage. Un condensé. Deux, sachant que je suis parti donc. Oui. Ça, les vidéos à deux se font rares maintenant. Il y a un. Rare, hein. Non mais. Allez. C'est très très bon. Ah, ce jeu est excellent. J'ai envie de dire, on va le refaire juste après. On peut après. Très rigoler. Un hardcore gamer. On peut trop bien loler, j'ai envie de dire, sur ce jeu, c'est magnifique. Allez, on vous dit à demain pour le dernier stage, le stage 8, où on va mettre la branlée à. Il dure une demi-heure. À Monsieur X, hein, le boss du syndicat. Et c'est pas un nom gay, Monsieur X. Hein. Ouais, c'est clair. C'est magnifique. Allez, merci. À demain. Au revoir.